Allez, salut à tous, bienvenue aujourd'hui mesdames et messieurs pour une nouvelle vidéo, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui on est sur Belgrade, la map tant attendue, voilà, puisque le sondage ça fait quand même un petit bout de temps qu'il a été fait. Et du coup, bah écoutez, on est parti pour ce premier épisode sur Belgrade. Je voulais vous faire un épisode transition, en fait, entre... bah, tout simplement entre la dernière map qu'on a faite, enfin en tout cas la vidéo qu'on avait faite sur le DLC à Fun City et cette vidéo, donc en faisant tout simplement un épisode sur la map Budgoszcz, voilà, qui est une map polonaise en fait qui comporte une seule ligne, etc. Une map très sympa, sauf que écoutez, elle ne fonctionnait pas, j'avais des textures manquantes et j'ai pas réussi à solutionner le problème. Du coup, écoutez, aujourd'hui changement de programme et on est bien sur Belgrade, on va faire la ligne numéro 71. Mais en fait c'est pas la 71 sur Budgoszcz, c'est la ligne 70, mais bon, voilà, bref, petit détail. Aujourd'hui, voilà, comme je vous ai dit, on est bien sur Belgrade, en Solaris sur Bino 18, mais surtout Solaris sur Bino 4, voilà, la quatrième génération de Solaris sur Bino, c'est le Solaris sur Bino de la Don Métropole Ruhr, sauf qu'il a été rendu gratuit, du coup vous pouvez tous le télécharger, le lien est dans la description, voilà, tout simplement, et c'est vachement cool que au final cet add-on, justement, ces bus soient séparés, enfin, de la donne entre grandes guillemets, dans le sens où maintenant la version, y a une version du bus qui est tout simplement gratuite et c'est exactement le même que on a dans Métropole Ruhr. Comme vous pouvez voir, on a un moteur qui est debout et qui prend d'ailleurs pas mal de place, j'ai l'impression. On va regarder un petit peu ce que ça donne à l'intérieur puisque c'est un bus que j'ai jamais pris. Donc je vous propose de regarder un petit peu avec moi. On a des caméras de surveillance ici qui sont pas forcément hyper bien modélisées. Mais on peut voir qu'on a une place handicapée ici, des carrés de 4 places à l'avant. Ok, ça a l'air d'être plutôt bien agencé. Là on est au niveau de la place handicapée. L'accordéon, très bien. Ouais, là on est encore au milieu. Là on est au niveau de l'accordéon. Et voilà, comme vous pouvez voir, c'est un Solaris sur Bino 18, voilà, qui a été fait en 3 portes. Et le moteur qui prend quand même pas mal de place, hein. Comme vous pouvez le voir à l'arrière, là je suis sur l'une des deux seules places à l'arrière et ouais, le moteur est assez imposant quand même. Hop, au niveau du tableau de bord, voilà ce que ça donne. On va démarrer le circuit électrique. Du coup on a un nouvel Ibis, etc. On a quand même pas mal de petites nouvelles choses. Et on part, je crois, dans pas très longtemps. Donc on va quand même faire attention. Voilà, il est 12h22, on part à 12h24. Ici il suffit de rentrer par notre 4. Le code ping est 1324, c'était écrit dessus. Hop. Je crois, non. Attendez. Ok. Non mais en fait c'est bon. Ok, je crois qu'il y a un bug avec le code PIN parce que j'avais déjà essayé de le rentrer, ça n'avait pas marché. Mais en fait quand on met rien, ça marche étrangement. Donc là je configure mon Ibis directement 01. Donc actuellement nous sommes à Ledin et on va jusqu'à Zeleni Venac. Voilà, donc une ligne d'une demi-heure, un petit peu plus, donc on va pas perdre de temps. Voilà, 71 Zeleni Venac. Voilà en termes de design extérieur ce que ça donne. C'est plutôt sympa, les pleins feux, les feux de croisement. Voilà, c'est clairement plutôt cool. Les clignotants, voilà comment ils se présentent. Hop, et à l'arrière, voilà. À l'arrière, après, c'est un arrière de Solaris, généralement ça change pas trop. Mais bon, c'est quand même plutôt sympathique. Là, on a les feux jour en plus qui sont présents. Donc, c'est bien cool. On va allumer ceci puisque c'est la direction. Et on va commencer par se mettre à l'arrêt qui est juste de l'autre côté. Hop. Allez. Parfait. Voilà. Les passagers sont là. Allez, les gars, circulez s'il vous plaît. Hop. Nickel, en tout cas j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup de patates, mais on a un son du moteur qui est très très intéressant et que j'aime beaucoup. Donc ça c'est intéressant à savoir. J'ai l'impression que ma porte arrière est totalement automatique et celle du milieu a l'air d'être en semi-auto ou en manuel. Bonjour mesdames et messieurs, alors je configure un petit peu mes vues. Ouais non, celle-là je vais être obligé de la laisser comme ça. Hop. Alors les rétros sont extrêmement bizarres. On a un angle mort, ça par contre c'est cool. Je vais peut-être leur allumer un petit peu la lumière. Comme ceci. Ouais, voilà. Hop. Nickel. Alors au niveau de notre Ibis par contre c'est quand même hyper bizarre. Comment ça fonctionne?
plus 0,4, plus 0,5, comme ça va être mon retard, ma route, ma zielle, ligne, ok, très bien. Bon, et bien c'est parti. Hop, j'ai pas mis de chauffage par contre. J'ai pas mis de chauffage, mesdames et messieurs, faudra qu'on voit ça un petit peu après. Hop. En tout cas, moi j'aime bien, on a l'affichage de l'heure au niveau du compteur, comme vous pouvez le voir. On a le kilométrage du bus aussi, j'ai l'impression. On a la température extérieure, il fait 15 degrés. On respecte très rapidement le stop. Hop. Alors, est-ce que les arrêts se passent automatiquement? On va bien voir ça, écoutez. En tout cas, je découvre vraiment Belgrade en même temps que vous. Hein. Je n'ai jamais joué auparavant sur la map, c'est limité à 40 km/h, mais ça c'est... spécifique, notamment dans les pays de l'Est, on a pas mal de villes qui sont limitées à 80 km/h. À l'inverse de la Russie, où les villes sont limitées à 60 km/h, c'est ce qu'on avait pu voir sur la Russe map. Ouais, donc les arrêts se passent pas automatiquement. Hop. En tout cas, on a quand même pas mal de monde sur la Lune, donc c'est sympa. La map a l'air plutôt jolie. J'ai l'impression qu'on a quand même énormément de nouveaux objets, etc. C'est pas commun. Voilà, on est plongé dans cet univers, on voit tout de suite que c'est pas commun. Donc, ok, porte arrière totalement manuel. Ah bah non, quoi. Ouais, non, ok, rien. Ouais, t'as par contre prix du billet 150. Ah oui, mais c'est pas des euros. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là, 150 euros le billet? Non, c'est pas des euros. D'ailleurs, je sais même pas ce que c'est la monnaie. Allez, laissez pas passer les gars, surtout. Hein. Allez. Putain, ça y est, ça commence bien. Hein. Ils sont aimables, hein. Ils sont aimables, les gars, quoi, je vous jure. Hop. Parfait. Alors, du coup, bah, on continue tranquillement en termes de retard. On a 0,6, donc c'est cool. Pour les prochaines vidéos, j'ai un petit contenu à vous présenter qui a été fait par Nerlan et qui va être bien sympathique. La map comporte 5 lignes, dont 2 de nuit, 3 de jour. Voilà, mais les lignes de nuit sont pas hyper intéressantes d'après ce que j'ai compris. Elles font toutes à peu près 30 minutes les lignes. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la map. J'aime beaucoup comment elle est détaillée, etc. On a vraiment des objets nouveaux, en fait. Là, pour le coup, c'est vraiment ce qui me séduit. C'est qu'on a énormément de nouveaux objets. Et ça nous dépaysage, totalement que ce qu'on connaît déjà dans MC2. Je suis agréablement surpris. Ouais, j'ai fait une connerie. En fait, les arrêts se passent automatiquement, j'ai l'impression. J'ai fait une connerie. Attendez. Ouais, merde, j'ai fait une connerie. Bon, les arrêts se passent automatiquement, finalement. Hop. Parfait. Alors, à savoir quand même que Belgrade, mesdames et messieurs, c'est une ville réelle. Voilà. C'est pas du fake, mais c'est vraiment une ville qui existe IRL, qui est la capitale. En fait, c'est la capitale de la Serbie, Belgrade. Et donc, il y a un truc qui me perturbe quand même, c'est ces rétros que je trouve extrêmement bizarres. Je trouve vraiment chelou les rétros, ça me fait bizarre. Donc oui, Belgrade, c'est la capitale de la Serbie, mesdames et messieurs. Et donc, voilà, on est vraiment sur une map qui est pour le coup réelle. Alors, est-ce que la Lune 71 existe vraiment, etc. Je ne sais pas. Généralement, dans les maps réelles, c'est jamais du 100% réel. Il y a toujours une petite part de fictif, soit par rapport au trajet des lignes, soit par rapport à certaines zones. Hop. Dordan. Bonjour. Ah, je crois que Dordan ça veut dire bonjour ou un truc dans le genre. Nickel. Hop. Alors ouais, là on a un feu bus, j'ai l'impression, comme vous pouvez le voir juste sur notre droite. Hop. Parfait, en termes de retard, dites-moi, on est à plus 0,8, donc ça va, une petite minute de retard. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Ah, hop, c'est bon, on a le feu vert. Parfait. La motorisation de ce Solaris Urbino 4 qui est très sympathique. J'aime beaucoup le son que ça fait. Par contre, il a clairement pas beaucoup de puissance. Hein. On est sur quelque chose quand même d'assez soft. Mais j'aime bien la boîte de vitesse, franchement, je sais pas si on est sur une ZF ou une VUS.
Laissez-moi réfléchir. Je pense qu'on est plus sur une voice, ouais. Je pense qu'on est sur une voice, clairement. Là, vu que je suis déjà en quatrième rapport à... Ouais, quasi en sur-régime à 65 km/h, je pense bien qu'on est sur une boîte de vitesse ZF, donc à 6 rapports. Attention à la petite poubelle sur le côté. Hop, regardez le gymnase là qui est tagué, etc. On a vraiment des objets qui sortent du commun de l'ordinaire d'Homsi 2. En tout cas, de moi, ce que je suis habitué à vous proposer comme contenu. Et c'est réellement appréciable. Hop. Alors, bloc. Bloc 61, mais merde, c'est que la 45 ici. Enfin, j'ai l'impression, hein. Ouais, si, c'est que la 45 ici. Alors, en termes d'arrêt, prochain arrêt sur Zinica. Attendez, je me suis pas trompé là parce que. Attendez, j'ai un gros doute là. J'ai un gros doute parce qu'en fait, je me souviens plus de ce qu'il y avait écrit sur le rond-point. Ouais, voilà, je me disais bien que je m'étais gouré. C'est de l'autre côté. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai eu un pressentiment en fait et je me suis dit attends, t'es sûr que c'est bien là? Je le sentais pas. On va faire demi-tour un petit peu plus loin, c'est pas bien grave. Je suis stagiaire, mesdames et messieurs, hein, bien sûr. TMTC, le chauffeur remplaçant. Putain, les immeubles sont dégueulasses. Alors, enfin, dégueulasses dans le sens, ils sont pas beaux, hein, mais ça a l'air d'être vachement bien réalisé. Il y a quand même pas mal de détails. Tout sympa. Je vais mettre sur les deux voies pour empêcher un automobiliste de venir sur la voie du milieu, ce qui m'embêterait un peu pour faire mon demi-tour. Ouais, j'ai quand même fait le mongol, hein, je tiens à le dire. J'ai limite envie de griller le feu, mais on va pas le faire. Hop. On est des conducteurs responsables quand même. Hop, c'est même pas pour moi, là c'est pour ceux qui vont tout droit. Hop, on a combien de retard là? Une 3, bah ouais, forcément. Prendre un peu plus de retard pour le coup. Bon, moi comme ça vous fait découvrir une autre petite zone de la map. Normalement ça devrait être à nous là. Ouais, voilà. Hop, bonjour. Je me suis perdu et je fais demi-tour. Hop. Parfait. En tout cas, le bus est quand même vachement stylé. Et la livrée Île-de-France Mobilité qu'on utilise, mais je sais même pas si je vous en ai parlé. Si, je crois que je vous en ai parlé. Elle a été faite par Summer Games et est vraiment hyper sympathique. Pareil, hein, c'est dispo, ce sera dans la description pour ceux qui veulent la télécharger. Hop. Bon allez, on se dépêche quand même, 2 minutes de retard avec mes conneries. Va falloir rouler un petit peu vite. En fait, je vous ai peut-être dit une connerie, c'est peut-être une voix de voice. Je sais pas, je doute. Je doute un peu là quand même. Hop. Parfait. Bonjour. J'arrive, je sais, vous m'avez vu passer. Hop. Alors. Tac tac tac, moi je cherche le chauffage. Bonjour monsieur. Ah voilà, c'est là. Non, pas ça. Yeah. Hop, c'est bon. Il fait combien là dans le bus? 18 degrés. Pas bien chaud, hein. Il ne fait pas bien chaud. Bon, on devrait normalement pas avoir trop de difficultés à rattraper le retard, étant donné que, comme vous avez pu le voir en Serbie, les villes sont limitées à 40 km/h, donc je vais rouler un petit peu plus vite. Et vu que du coup les horaires sont basés sur le fait qu'on roule à 40 km/h, ça devrait se faire. Ok, alors on a quand même une petite zone vide derrière ces bâtiments. Un petit peu dommage. Hop. En tout cas, le bus est vraiment très joli. J'aime beaucoup la texture des trottoirs que vous pouvez voir sur le côté, mais par contre, ok, non, c'est une vraie texture le truc. J'ai cru qu'il y avait des textures manquantes et tout, qu'on avait encore un bug. Parce que, en fait, comme je l'ai dit, j'avais essayé de vous faire une vidéo sur Bitgust. Je me souviens même plus comment on prononce la map. Et en fait, j'avais commencé ma vidéo et tout, j'étais tout content. Et en fait, la map a crash. En fait, enfin, il y a eu un moment où il manquait
des parties de la map, du coup ça a tout gâché ma vidéo et bah au final je l'ai abandonné quoi. Et j'étais extrêmement déçu parce que j'en ai marre de jouer sur des jeux qui plantent en ce moment, c'est l'hécatombe entre ETS 2, OMSI 2, franchement c'est lourd quoi, vraiment. Et c'est vrai que bah du coup bah, je suis pas forcément motivé à faire des... Enfin, en tout cas, je me dis à chaque fois... C'est exactement la même chose dont je vous avais parlé quand j'avais fait ma vidéo sur Train Sim World en vous parlant des futurs jeux de train, etc. Et du bilan du jeu. C'est exactement la même sensation de se dire, tu lances une vidéo et t'as toujours la crainte, tu te dis, est-ce que ça va pas planter? Est-ce que va pas y avoir un souci? Est-ce que je vais pas être obligé de la recommencer? Est-ce que va y avoir un imprévu? Etc. Et cette sensation de... Voilà, de ne pas maîtriser la situation, c'est quelque chose que je déteste. Et c'est vrai que bah du coup ça donne un petit peu moins l'envie. Voilà, on est moins enthousiaste et un petit peu plus stressé quand tu fais une vidéo. Et c'est vrai que c'est dommage quoi. C'est dommage et, parce que moi j'ai vraiment envie de vous faire des vidéos, etc. Et bah, c'est vrai que c'est vraiment pas quelque chose d'agréable quoi. Quelqu'un, pas quelqu'un, ouais, le monsieur. Hop. Bonjour monsieur. Parfait. Oula, on patine un petit peu là. Elle galère la boîte de vitesse ou... Ouais, je crois que c'était le revêtement de l'arrêt de bus en fait qui nous faisait un petit peu patiner ou je sais pas quoi. C'était assez étrange. C'était vraiment très spécial là. Je me suis dit que se passe-t-il, mais je suis volontairement resté appuyé sur l'accélérateur pour voir un petit peu ce que ça allait faire. Mais ouais, je pense qu'on avait un petit souci d'adhérence. Hop. Bon, vous voyez, on est déjà à 1 minute 1 de retard, donc ça va, on a pu rattraper un petit peu. Donc les arrêts se passent bien automatiquement, donc pas de soucis à se faire là-dessus. Hop. Ouais, non, en fait, je vais rester sur ma voie ici. Puisque notre arrêt est juste derrière. Putain, par contre, la musique, calme-toi. Merci. Hop, parfait. Alors, à savoir que les petites surprises dont je vous avais parlé pour les 20 000 abonnés dans la vidéo de TS2, ça va arriver très bientôt. Le design est toujours un petit peu à la bourre, c'est-à-dire on avance encore, on avance, hein, mais pas très très rapidement, je vous l'avoue. Mais bon, ça se fera au bout d'un certain temps, ne vous inquiétez pas. Il y a une des surprises que j'avais prévu de faire qui est pour l'instant pas encore dispo. Il va falloir que je vois ça, mais par contre je compte lancer le concours 20 000 abonnés avec les fameux 20 jeux à gagner, puisque ça me tient quand même à cœur de vous faire un gros mégadon, et enfin bref, un truc de ouf pour ces 20 000 abonnés, parce que c'est quand même incroyable quoi. Mais c'est vrai que en fait je me rends compte que là en cette fin d'année, enfin fin d'année scolaire en tout cas, on s'en rapproche là, le troisième trimestre démarre, ça y est, ça va être le gros rush. Je me rends compte qu'en fait j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Ouais, en fait on glisse sur la texture des arrêts de bus, c'est assez marrant. Mais en fait ouais voilà, je me rends compte que j'ai vraiment pas beaucoup de temps et ça va être très dur de maintenir une vidéo par jour réellement. Parce que avec les cours etc, j'ai quand même mon bac cette année, bon alors pas mon bac général si vous voulez, j'ai juste le bac de français et de sciences. Enfin juste entre guillemets, parce que le bac de français c'est quand même quelque chose d'assez important. Et puis de toute façon comme tout examen ça se prépare etc, et ça se fait pas la veille pour le lendemain. Il y a vraiment un vrai travail de fond derrière. Et c'est vrai que j'ai vraiment pas trop le temps, en tout cas je galère un petit peu à vous tourner mes vidéos etc. C'est vrai que c'est vraiment pas évident pour moi. Et là la preuve hein, j'ai carrément oublié de poster la vidéo de Fernbus mercredi. J'ai trop de trucs à faire. Et du coup je voulais poster jeudi matin. C'est plein de petits trucs comme ça. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Mais bon voilà, c'est vrai que une fois de plus c'est vraiment pas évident d'essayer de tout concilier entre les études, sa famille et les différents projets dans lesquels tout simplement on est impliqué. Hop, oula, allez, petit feu orange mesdames et messieurs. Vous n'avez rien vu. Hop, IMT, c'est bien ça. Enfin, IMT, IMTA. Attends, il y a la grosse tête du monsieur devant. En fait, les portes sont totalement auto. Hein. Ça veut dire que j'ai pas besoin de rappuyer pour que ça s'ouvre. Ça s'ouvre tout seul. Mais par contre, là, celle du milieu se ferme manuellement. Voilà, c'est ça. IMT, nickel. Ah ouais. Niveau de l'adhérence c'est vraiment sensible quoi au niveau des arrêts de bus. Allez accélère. Hop.
Parfait, toujours une petite minute de retard, ça va, ça se tient clairement. Il fait quoi lui à rouler sur les, ouais, sur les zébras? En tout cas, la map est vraiment très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. On a l'avantage d'être dans la ville. Bon, là, on la quitte un petit peu. Mais c'est quand même, je trouve, plutôt bien décoré avec pas mal de végétation. Là, on sort un petit peu du cadre urbain. Et on va un petit peu plus. Bon, on va pas vers la campagne, clairement. Mais on est. Voilà, on sent qu'on n'est pas dans le centre-ville. C'est pas une zone pavillonnaire. Hop. Et on est un petit peu plus à l'écart, peut-être pour rejoindre une autoroute. En tout cas, une route qui passerait peut-être sur le pont en face. Seul petit défaut que je viens de voir avec ce bus, c'est qu'on a l'icône ici de l'arrêt demandé qui se superpose sur celui du bus. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas bien grave pour autant, on va pas en faire un drame. Alors par contre, à quoi est-ce qu'il sert ce bouton, mesdames et messieurs, si vous savez? Ok, à un moment j'ai cru que c'était le klaxon, mais non, pas du tout. Je sais pas à quoi sert ce bouton, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que je ne sais pas du tout, je l'ai vu sur quelques bus. Et c'est vrai que j'étais toujours plus ou moins intrigué par celui-ci. Parce que je sais pas du tout à quoi il sert. Hop. Bonjour. Alors, est-ce qu'il y a l'agenouillement automatique, je pense, hein. Est-ce qu'on pourrait essayer de l'activer? Ça doit être ça, non? Ah ouais, pas sûr qu'il soit automatique celui-là. Hop, voici monsieur votre ticket. Pas sûr qu'il soit automatique. Hein. Ah si. Si si, il est automatique parce que il va... le bus se relève, vous voyez, quand on part, regardez. Petite démonstration. J'ouvre ma porte, ça se baisse. Je la ferme. Ah ouais, non, il se remonte, ok, directement. Ok, parfait. Bon, on va le laisser, vous savez quoi. On va le laisser. Putain, par contre, ça n'avance pas. Il faut vraiment de toute petite accélération pour pas patiner. Hop, le petit feu piéton parce qu'il y a deux gugus qui veulent traverser et qui font chier tout le monde. Ah, et en plus, what? Ils vont se faire écraser, ils vont se faire écraser. Ouf. Fermez les yeux, mesdames et messieurs. On n'a rien vu. On n'a rien, mais... Les gars, arrêtez. Et les nénettes, elles font pareil de l'autre côté, j'ai l'impression. Ouais, elles font exactement pareil. Il y en a vraiment qui veulent mourir, c'est pas possible. Incroyable. Alors, 7-11, droite. Oula, attention, le feu rouge qui vient de griller. Non, mais c'est pas possible, il est devant là. N'importe quoi, déjà il se rabat devant moi, après il grille les feux. Non, mais ça va, c'est la fête du string. Vas-y, change de fil sans clignotant, on ne dira rien. C'est quoi, moi je vais doubler par la droite. Parce que je suis un thug. Ouais, ouais. Incroyable. Code de la route est vraiment mort là. Alors, par contre, c'est très étrange ces petits trucs. On sait jamais si c'est des priorités à droite, etc. Mais je crois que dans MC2, il n'y a pas de règle de priorité à droite. Ça veut dire que même si vous avez une signalisation qui fait penser que c'est une priorité à droite, les voitures cèdent toujours le passage. Hop, attention, ralentis un petit peu quand même. Parfait. En tout cas, franchement. Le Solaris est très très sympa à conduire, c'est vraiment à tester. Donc n'hésitez pas, foncez. L'arrière est sympa, j'ai une petite préférence quand même pour l'avant. Ouais, j'ai une petite préférence pour l'avant parce que je trouve qu'il change un petit peu plus. Enfin, c'est vraiment l'avant qui est le plus transformé. L'arrière reste quand même globalement le même, même si les feux sont légèrement plus bas, j'ai l'impression. Et c'est pas vraiment la même texture, si vous voulez. Là, ils ont essayé de faire tout blanc, il n'y a plus de cache-feu, si vous voulez. Donc on est vraiment sur des feux à LED à l'arrière. Voilà, j'ai quand même une petite préférence pour l'avant. Hop. Allez. Tout le monde descend. Ah oui, non, c'est vrai que la porte est manuelle. Je me disais, j'attendais que ça se referme, mais je pouvais attendre encore pendant longtemps. Parce que c'est vrai que la porte du milieu s'ouvre automatiquement mais se ferme manuellement. On va chercher l'erreur, hein. Putain, mais par contre il accélère pas si on met pas le pied au plancher, quoi. Bon, de toute façon ça sert à rien d'accélérer comme un malade puisqu'il y a feu rouge devant.
On en est à petit peu près où dans notre trajet. On va regarder ça. Hop. Alors il m'a revu la, il m'a remis la vie comme ça. J'en veux pas de ta vue comme ça, j'aime pas. Voilà. Comme l'a dit Brigada. Tac 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 tac. Comme l'a dit Brigada. Ok, bah on est à peu près à la moitié. Très bien. Parfait. En tout cas, les arrêts sont quand même relativement espacés. Ils sont pas non plus hyper proches. Mais là, c'est vrai qu'on est plus du tout dans le centre-ville et j'ai l'impression qu'on est dans une zone un peu. Une zone, ouais, où il y a pas mal de sièges sociaux d'entreprise. Là, au bout, on a des immeubles, mais c'est vrai que cette avenue est assez spéciale. En fait, il n'y a pas grand chose. Il y a surtout des espaces verts, des parkings. Ouais, des petites zones commerciales. On a quelques immeubles, pardon, sur la gauche ici, comme vous avez pu voir. Mais c'est pas du tout le même style de paysage urbain qu'on avait au début de la vidéo. Putain, mais c'est pas possible, on va jamais passer. Ah, ça y est. Hop, enfin. Parce que moi, c'est pas tout ça, mais j'ai quand même 1 minute 5 de retard à force de se taper les feux. Là, il y a encore du monde qui veut descendre alors que personne veut monter. Hop, alors, qui descend ? Qui descend qu'on le fusille du regard. La dame en jaune, j'ai l'impression, non? Ouais, c'est ça, la dame en jaune, la dame en rose. Ah, attendez, j'ai fermé la porte au nez de quelqu'un parce qu'il viendra appuyer. Non? Ah, c'est un petit mariole. C'est un petit mariole qui s'amuse avec le bouton, je comprends. Je comprends bien. Hop. Allez, gauche toute. Par contre, je ne sais pas si le tableau de bord est comme ça sur les Solaris Urbino 4, mais je trouve le tableau de bord totalement, dépareillé, si je peux le dire, comme ça, par rapport à l'extérieur, qui a un design vraiment très propre et épuré, alors que le tableau de bord, je le trouve vraiment ancien, et voilà, il n'est pas du tout coordonné avec le design extérieur. Je sais pas si c'est comme ça sur les Solaris Urbino 4 qu'on a en France, etc. Puisque là, je crois que c'est un modèle allemand qui a été reproduit. Bah, c'est un tableau de bord classique. Écoutez, je crois que c'est un... Qu'on appelle ça PAF. Non, attendez. Il y a Axia. Je me souviens plus comment il s'appelle. Ces tableaux de bord. Axia, Moki. Et l'autre, c'est... Ah, je sais plus, m'énerve. Bref, un tableau de bord classique, quoi. Alors, il ressemble un peu quand même à celui qu'on a dans les. Ouais, dans le Malion City de Mainz, j'ai l'impression. C'est peut-être les boutons. Les boutons, je les trouve, vous voyez, par exemple, un peu grossiers, etc. C'est vrai qu'on n'est pas quelque chose sur quelque chose de forcément très élégant en termes de tableau de bord. En tout cas, je sais pas si c'est comme ça IRL. Mais bon, ça reste quand même la déception de ce bus, le tableau de bord, je trouve. C'est son point faible. Alors par contre, je comprends pas, des fois il y a des bips, comme quoi les gens demandent l'arrêt et le voyant s'allume pas sur mon tableau de bord. Alors, c'est quand même relativement étrange. Bonjour, bonjour. Mais vous voyez, regardez, on a des bips dans tous les sens, mais personne veut descendre, c'est pas possible. Voilà, là j'ai ouvert la porte arrière, je referme. Je sais pas si ça va me le refaire. Étrange quand même. Bah, t'as arrêté les gars. Je vous jure, il y en a un qui s'amuse avec le bouton, c'est pas possible. C'est pas possible du tout là. Ah mais oh, arrêtez. Hop. Bon là on retourne un petit peu dans une zone avec pas mal d'immeubles, mais putain, et ce bouton est insupportable. Bonjour. Alors, c'est quand même incroyable parce qu'on fait tous les arrêts. Quand il y a des gens qui montent, il n'y en a pas qui descendent. Et quand il y en a qui descendent, il n'y en a pas qui montent. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas en retard après? Bon, c'est vrai, les horaires sont faits en sorte qu'on puisse s'arrêter à tous les arrêts sans être en retard. Mais je ne suis pas d'accord. Il y a un car. Alors, attendez, c'est quoi? C'est un vrai car ou... J'ai l'impression, hein. Ah non, il est stationné. Ah oui, non, il est stationné, ouais, ouais, comme tous les taxis qu'on a là. Putain, le bruit est insupportable, je sais pas ce que c'est, mais c'est horrible. Hop. Vous voyez là, regardez, on a des gens qui descendent, personne qui monte.
Bloc 29. Bloc 29, je sais pas si c'est. Je pense que c'est les numéros d'immeubles. Allez, descendez. En tout cas, si vous souhaitez installer Belgrade, sachez que son installation est quand même relativement facile. Oh, c'est marrant ça, quand je mets le frein de. Oh, petit détail sympa, quand je mets le déverrouillage des portes, on a l'affichage en vert qui. Oh, mais ça c'est stylé par contre. Ça c'est gros point positif. Attendez, on va se mettre au niveau de la porte. Comme ceci. C'est nice ça. Attendez, j'aimerais tester un truc quand même. Au niveau de la porte du milieu. Qui est pas là. Qui est là. Donc, ok, c'est blanc. Ah ouais, nice. Et voilà, c'est ça que je voulais regarder. Est-ce que ça se met rouge quand on ferme les portes? Et ouais, ça, oh, c'est stylé, hein. C'est stylé. Blanc, c'est ouvert. Rouge, ça se ferme. Et vert, tu peux ouvrir. Ça, c'est nice. Franchement, ça, les gars, c'est... S'il y a un truc à retenir de cette vidéo, je pense que c'est ça. Parce que ça, c'est vraiment un truc inédit. En tout cas, j'avais jamais vu ça dans MC2. Ce système de LED au niveau des portes. Vraiment hyper stylé. Hop. Voilà, tout ça pour reprendre 3 minutes de retard au final. On va prendre au milieu. On va se dépêcher quand même parce que 3 minutes de retard, c'est, ça fait beaucoup. Le feu, s'il te plaît. Sois sympa. Mais les feux, j'ai l'impression qu'ils durent 15 ans. Mais c'est comme sur Project Stettin, les feux durent 107 ans. Alors ça le faisait encore plus sur Fictif Stettin. C'est vrai que les feux sont très très longs. Ah, ça y est, nice. On a eu de la chance. Parfait. Non, il a vraiment pas beaucoup de patates ce bus quand même. Hein. Vous le testerez, mesdames et messieurs, si c'est pas déjà fait, mais il a pas trop d'adhérence non plus. Alors par contre, il y a des voyants qui clignotent ici. Je sais pas ce que c'est, mais ok. Ça c'est l'anti-patinage, etc. Ah mais on peut cliquer dessus en plus. Oula, putain. Pardon, j'avais pas vu l'arrêt. Hop. Mais ouais. Alors ça c'est la putain ma souris. La direction. Régulateur de vitesse, ASP, enfin ESP pardon, ABS, ouais, ok. Bon, pourquoi pas. Et ferme-toi la porte avant que j'ai le rouge. Bon, en fait, on va enlever ça, c'est trop chiant. Agenouillage, enfin l'agenouillement automatique, c'est horrible. Et vous voyez là, ça clignote. Peut-être que j'accélère trop. Et si je fais ça, je sais pas, ça clignote. Bon bah, tant pis hein. Du moins qu'on peut rouler. Hop, je vais monter un petit peu le son de la radio quand même. Ah mais attendez, c'est fini, bah je vais vous la remettre la musique. Hop. Parfait, c'était où là? Bah voilà, putain. Pff, mesdames et messieurs, ça va pas du tout, je ne suis pas concentré. On va devoir faire demi-tour plus loin. Sauf que là on a des barrières. Putain mais c'est ce bruit aussi, il me stresse, ça me perturbe. Il est horrible le bruit. Hop. Allez, moi j'accélère à fond. Il va drifter un peu peut-être l'arrière. Non, quand même pas. C'est pas la GG 300 qu'on avait pris sur Airport Map. Allez, à gauche. T'as 3 minutes 2 de retard. Ça pas du tout. Limite, ouais. Non, on va pas griller le feu quand même. Ouais, quasi, on l'a quasi grillé en plus. Tout ça pour ça, par contre je suis étonné, les passagers ne se plaignent pas. Tant mieux pour eux s'il se trouve que je suis un bon chauffeur. Hop. On va quand même reculer. Ouais non, parfait. Hop. Allez, vas-y, passe avec ta gueule, dépêche-toi masse. Merci, tu me laisses passer, c'est sympa. Toi, vas-y, engage-toi mais... Putain, reste sur ta voie de droite. Ouais, mais c'est une bus taxi. Ok. Bon, dans tous les cas, je suis quand même en tort parce que c'était priorité à droite, mais... Ok, ouais, j'avais pas vu ça comme ça, en fait, directement la voie de bus. Hop. Allez, bonjour. On se dépêche de monter, s'il vous plaît, je suis en retard. Oui, bonjour. Hop. Et pourquoi il y a du monde qui monte pas, là? Probablement il y a un bus derrière moi, non? Ou il n'y a plus de place? Je sais pas pourquoi ils sont pas montés, eux. Ah si, c'est pour le collègue derrière, je pense. C'est pour le collègue qui est derrière. Punaise, 4 minutes 3 de retard. Mais arrête avec ce bruit, tu vas me rendre fou. Allez, fonce.
Alphonse Alphonse. Bon, là on est sur un site propre, MDR. Non, on est juste sur une voie de bus. Donc on devrait pas avoir de voiture devant nous. Le top du top, ce serait qu'on ait des feux bus, mais bon, j'y crois pas trop quand même. Hop, arrête de biper. Hop. Allez, bonjour, bonsoir. Montez. Et plutôt rapidement, s'il vous plaît. Alors, par contre, en termes d'optimisation, la map est pas forcément hyper bien opti. Je trouve. Personnellement, c'est pas mal, mais bon. On peut mieux faire quand même. Hop, allez, bonjour. On se connaît pas, mais bon. Montez quand même. M'énerve ces passagers. Ah, me dites pas qu'il n'y a pas de texture ou qu'il n'y a pas de chargement au bout là parce que je vais se péter un câble. J'espère que je vais pas péter un câble. Mais j'ai bien l'impression qu'on est parti pour. Putain, mais comme je vous dis, c'est incroyable de faire des vidéos sur des trucs qui marchent pas. Pourtant, j'ai tout bien installé. Il y avait même des fixes à installer si on avait des textures blanches, etc. Je les ai installés. J'ai zéro objet manquant. Ah oui, non. Ouf. Ouf. Soulagement. Soulagement quand même, parce que là je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais me suicider là parce que je n'en peux plus des trucs qui bug. Putain, mais la vidéo en plus va durer 40 milliards de minutes tellement je suis lent, mesdames et messieurs. Finalement, en plus, on a le feu. Ah, si, feu vert, vas-y, accélère, vas-y, Coco. Allez, parfait. Alors, par contre, je suis un petit peu déçu quand même qu'on n'ait pas de klaxon personnalisé et que ce soit le klaxon de base de MC2 qui a été utilisé. C'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage. Alors, par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais les personnes aux arrêts à chaque fois, elles se mettent limite sur la route en fait quand elles veulent monter. C'est assez spécial et c'est même assez dangereux. Vous remarquerez au prochain arrêt, les gars, quand ils veulent prendre le bus, bah tout simplement ils manifestent leur envie de monter. Mais c'est même voilà, soit tu t'arrêtes et tout va bien, soit tu me roules sur le pied en fait. C'est assez assez spécial, vous allez voir ça au prochain arrêt. Ah bah je suis désolé, là je passe hein, parce que sinon on n'est pas rendu. En plus ça devait être pour deux nénettes qui voulaient traverser parce qu'il n'y avait pas d'intersection. Hop. Attends, et ce bruit est vraiment insupportable. Je sais pas si c'est normal ou pas, ça m'étonnerait que ce soit normal, mais si ça ne l'est pas, je sais pas pourquoi, punaise. Et en plus, le truc, il clignote en rouge pour l'ASP ou je sais pas quoi. Enfin, non, c'est pas l'ASP, c'est... En plus, ASP, ça existe même pas. C'est soit ESP, soit ABS. Ouh, attendez, il y avait un truc marron, là. Il y a un petit bug marron à vous montrer. Regardez droit dans l'arrêt de bus, regardez le bâtiment. Hop, on le voit pas à travers... Et quand on s'avance, regardez toujours l'arrêt de bus à ce niveau-là. Hop, ça se découvre. Ça, c'est un bug qu'on a aussi sur certaines livrées, si vous voulez, ou en gros, si vous regardez de l'extérieur, il y a certaines affiches que vous voyez pas sous un certain angle ou derrière la vitre, etc. Hop. On a eu notamment souci sur certaines livrées quand on a fait ça pour la TZD. Et là, c'est à qui d'y aller, la personne ? Personne n'y va et tout le monde attend, bah bravo. Bravo, bravo. Eh, ce serait cool quand même qu'on avance un poil. Putain, mais il est pour le kill, feu, là. Forcément, il est pour ceux où il y a personne. Allez, parti. Hop. Allez, va pour l'arrêt. Putain, il y a du peuple ici, par contre, j'ai l'impression, quand même. Ouais, on est à 16 Caplara. Oula, mais il y a même toute une populace, regardez. Comme je vous dis, ils se mettent à moitié sur la route, les gars. Ouais, il y en a du monde ici. Bonjour, bonjour. Bonjour, arrête de biper. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bravo. Utilisez bien les deux portes, mesdames et messieurs, pour rentrer plus vite. Bonjour. Putain, mais il y en a du monde ici. Hein. Franchement, j'ai bien fait de prendre un articulé parce que ça serait pas passé en 12 mètres. Bonjour. Bonjour, bonjour. 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 Oula, il est nouveau lui quand même. Hop. Allez, 3 minutes 6 de retard. On va y arriver. Ou pas. Ou pas, mais on va essayer. Hop.
route. Alors là, c'est où, c'est tout droit, j'ai l'impression. En tout cas, on n'est plus sur un sur une voie de bus. Nice, ça a l'air de rouler un petit peu devant. J'aimerais bien que le feu passe au vert là pour que j'ai pas à ralentir, mais ah, mais nice, bah si. Merci, le karma, parfait. Karma qui est en notre faveur pour cette fin de vidéo, alors qu'on tombe sous la barre des 2 minutes de retard. Mais arrête de biper, insupportable. C'est limité à 40 km/h ici, mais bon, hein, voilà. Et regardez là, je suis à fond sur ma pédale, on n'accélère pas. Donc comme je vous dis, le bus a pas trop de patates quand même. Hein. Je pense que là, ça se voit clairement dans cette montée-ci. On va même pouvoir doubler le collègue. Hop. Salut. Bon, je suis désolé, j'ai 2 minutes 1 de retard, donc bon. Voilà, autant dire que je suis un peu pressé, copain. Oh, c'est vachement beau par ici. Les maisons et tout, j'aime beaucoup. Un petit peu sur la colline, là. C'est hyper stylé avec... je pense que c'est une rivière. Une rivière ou un fleuve. Pourquoi les passagers veulent descendre? J'ai fait zéro collision, les gars. Hein. Ok, ils se sont tous excités. Peut-être un souci de collision sur le pont. Ah non, et attendez. Homsi Airport. Ah ouais, ok. Cette map a le même syndrome que Fictive Stettin. C'est-à-dire qu'on a un bug au niveau des livrées. Et ça met un peu les livrées de toutes les maps en fait. Bon bah, je suis désolé mesdames et messieurs, mais bon. Descendez tous hein, si je conduis si mal que ça, mais bon, au moins ça vous aura permis de voir le monde qu'il y avait dans notre bus quand même. Je sais pas pourquoi ils sont descendus, hein. Je pense certainement un bug. Je pense bien, ouais. Hop. Faut qu'on ressente cette caméra. Allez, parfait. Let's go. 1 minute 3 de retard, bon bah ça va, on va rattraper un petit peu quand même sur le pont, enfin même beaucoup. Et là on retourne sur une voie de bus. Là j'aime beaucoup, vous voyez, l'ambiance dans laquelle on est, c'est une grande route, etc. Petit trottoir, il y a pas mal d'immeubles avec des balcons, etc. Enfin, les immeubles, les apparts ont pas l'air ouf dans ce coin-là, mais c'est plutôt sympa je trouve. Pourquoi tu freines toi? Me dis pas que t'as le feu rouge, accélère, non? C'est bon. 71 tout droit. Oula. Putain mais gars. Oh. Ah mais les piétons sont suicidaires. Mais je crois qu'il y a un souci avec les passages piétons. On va s'écarter un petit peu. Oui voilà. Ouais t'es sûr. Il y a un souci avec les passages piétons sur la map. J'ai bien fait pas trop m'écarter par contre, parce que la voiture rouge, j'avais pas fait gaffe. Et là il y a combien de bus là dans le coin? Oui, je suis parti du lieu de l'accident. Ah j'ai... Non me dites pas que j'ai shooté une voiture sur le pont. Me dites pas que j'ai shooté une voiture sur le pont. C'est possible, mais je vois pas comment, parce que j'étais pourtant bien dans ma voie. Ce serait quand même relativement bizarre. Par contre, là, on arrive sur une gare routière où j'ai l'impression qu'il y a pas mal de monde. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, il y a même beaucoup de peuple au niveau de cette gare routière. Lui, je sais pas ce qu'il nous fait. Ah bah, c'est le terminus, en fait. C'est le terminus, ici. Hop. Voilà. Et on va s'arrêter là, du coup, histoire de dire qu'on a fini notre tournée. Regardez. Oh, on a quelques soucis quand même avec les objets. Avec les bus qui passent devant. Ah ouais, non, bon, en fait. Ouais, non. On s'arrête pas là. Oui, donc ça doit être ici. À mon avis, le vrai terminus. Ça, c'est la 15N. Et celui de la 71 doit être... bah, voilà, juste ici, start terminus. Hop, bonjour. Non, par contre, je reprends pas. Je ne vous reprends pas, mesdames et messieurs. Hop, voilà, pour moi c'est une fin de service, hein. On va se calmer quand même. Voilà, hop. Écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, mesdames et messieurs, sur Belgrade, la première ligne qu'on a faite, plutôt sympa. On va juste se mettre RBL. Voilà. Hop, voilà, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi ça m'aura fait plaisir de vous faire une vidéo sur la map et de vous présenter ce Solaris Urbino 4. Alors par contre, il y a un petit bug quand on éteint l'écran, j'ai l'impression. Attendez. Hop. Ouais, bon, il y a un petit bug quand on éteint l'écran. J'espère réellement que cette vidéo vous aura plu. On était sur Belgrade en Solaris Urbino 4, livré Île-de-France Mobilité, fait par Summer Games. Merci à tous de l'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.